Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça y est, je vais prendre des vacances un peu. Je pars une semaine au ski là. Donc j'ai pas pris de vacances depuis cet été en fait. Comme vous savez, je suis en alternance, donc je dois prendre des congés sur mes périodes de travail et j'ai beaucoup de boulot ces derniers temps. Donc ça y est, j'ai pris une semaine tranquille, je vais partir au ski, donc 6 jours de ski. Donc je pars une semaine. Je vous oublie pas, que ce soit sur mes trois chaînes, j'ai fait des vidéos en rab normalement, il y a des vidéos en avance, sauf pour la moto évidemment où je vais pas pouvoir faire de séance, donc c'est pour ça que j'ai décalé un peu les autres vidéos pour que vous ayez des vidéos à peu près toutes les semaines. Par contre sur la chaîne GRMK, vous verrez pas de différence, j'ai plein de vidéos en avance, et sur la chaîne Jérém Giroux, bah pareil, j'ai préparé quelques vidéos en rab exprès pour être peinard. Je vous oublie pas parce que je vais essayer de faire des vidéos sympas en fait, parce que faut savoir que j'ai acheté il y a quelques temps un mini drone, mais vraiment un mini drone hein, avec une mini caméra qui fait des vues potables mais qui n'est pas du tout stabilisée en fait. Donc c'est toi aux commandes qu'il faut le stabiliser. C'est-à-dire que la plupart des drones, quand vous voyez qu'il fait des belles vidéos, c'est vous montez à une certaine puissance et le drone il reste à cette puissance, il accélère, ralentit tout seul. Là moi c'est je mets une puissance et il continue en permanence de monter, donc c'est à moi de le ralentir, de l'accélérer tout seul. Donc c'est très difficile de faire des vues avec. En plus c'est ultra rapide et c'est vraiment tout petit, donc très difficile à diriger. Faut savoir que c'est hyper sensible au vent. Donc faut savoir que les vidéos sont pas terribles parce qu'en fait elles bougent beaucoup. Donc en fait la seule solution c'est de faire plein 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 de plans en fait. Et de couper, de faire plein de un montage super dynamique et de couper chaque morceau où le drone bouge à cause du vent, simplement pour avoir une vidéo de bonne qualité. Donc pour ça tout simplement ça va me prendre du temps. Donc je vais essayer de vous faire quelques vidéos. Donc il y aura certainement une vidéo des 700 km à peu près de bagnole en accéléré. Il y aura des vidéos au drone. Je vais essayer de faire des vidéos sur une descente d'une piste ou autre. Mais voilà. J'ai pas fait de ski depuis 6 ans. Donc ça va être vraiment une nouvelle découverte. Et j'ai acheté mon propre casque pour pouvoir y fixer ma caméra pour que vous ayez de bonnes vidéos tout simplement. Et je prendrai aussi le harnais pour le mettre sur le ventre de temps en temps pour que ça varie un peu tout simplement. J'essaie de varier un peu toutes les prises de vue comme d'habitude. Je vais essayer ouais, de vous faire des vidéos un peu sympas. Pour le drone, il faut savoir que j'ai un moteur qui a cassé en essayant de m'habituer parce que j'essaie de m'entraîner un peu avec. J'ai pété dans une chute, il y a un moteur qui a cassé, donc j'ai commandé un nouveau moteur. Je suis en train de voir pour le changer. Je devrais le recevoir sous peu, d'ici 1 ou 2 jours. Et je pourrais le ressouder pour m'entraîner et partir avec sur les pistes. Donc voilà, j'espère pouvoir faire des petits extraits de vidéos sympas et je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît d'avoir ce genre d'annonce et que vous allez aimer voir mes vidéos au ski. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.